C'est même pas un débat. Ils savent ça. C'est pour ça qu'ils ont peur du président Gbagbo. Mais qu'ils aient peur ou qu'ils n'ont pas peur, nous, on s'en fout de ça. On leur dit, ouah, ouah, on s'en fout. Ils ont peur, ils n'ont pas peur, nous, on s'en fout de ça. Le nom du président Gbagbo sera sur la liste électorale. Le prochain président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo en 2025. On va faire les choses conformément à la loi et conformément à la constitution de notre pays. C'est ça qui est vrai. Parce que nous voulons une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire de droit. Voilà, pas la Côte d'Ivoire des voyous. Pas la Côte d'Ivoire des voyous. Parce que nous avons la Côte d'Ivoire des voyous. Avec des Ahmed Bakayoko, la merde, des Ouattara, toute la merde là. Aujourd'hui, l'autre il est où? Soro Guillaume. Soro Guillaume, qui parle de lui? Qui parle de lui? Il est où? Rien du tout. Il se cache, il se camoufle. Mais là, il n'est pas dans nos visions en ce moment-là. Donc, il ne nous intéresse pas. Mais ils sont où? Quand le président Gbagbo leur parlait hier, vous me combattez pour quelqu'un, pour ce Voltaïque que vous ne connaissez pas. Parce que lui, Draman, c'est un mercenaire. Draman, c'est le genre qui vient pour l'étranger, pour les intérêts étrangers. Lui-même, c'est un étranger. C'est ça le vrai point. Mais la Côte d'Ivoire est juteuse. La Côte d'Ivoire est un beau pays. La Côte d'Ivoire, la terre, elle est riche. Donc la Côte d'Ivoire est convoyée, convoitée. La Côte d'Ivoire, là, tout le monde veut. Parce que chez nous, là, c'est un bon pays. On est un bon peuple. Puis on a une bonne terre. On a tout chez nous. Il y a l'eau partout en Côte d'Ivoire. Il y a des fleuves. Il y a la mer qui est là. Il y a les lagunes. Il y a tout en Côte d'Ivoire. Des forêts partout. Il y a la savane. Il y a tout en Côte d'Ivoire. Donc quand les gens voient ça comme ça, là, ils veulent nous tuer à cause de nos richesses. Y compris la CDAO, sous ces étrangers-là. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire comme ça. Et à cause de nos soeurs, à cause de nos femmes. Quand ces gens-là, ils viennent comme ça, là, les gens de la CDAO, là, quand ils voient nos soeurs comme ça, là. Ce n'est pas les mêmes femmes là. Ça, c'est la vérité aussi. Femme ivoirienne est jolie. Elles sont préparées. Elles sont stylées. Puis, elles sont instruites. Beaucoup. Elles parlent. Elles sont là à l'école. C'est ça qui est le vrai point. Et les étrangers, les blancs là, eux-mêmes, c'est la mort. Eux-mêmes là, depuis la colonisation, plein de trucs, l'esclavage, ils ont découvert chez nous là, mais c'est la mort. Mais tout ça là, on va changer les choses. À travers la lutte, à travers le fait qu'on se batte, on va changer les choses. Pour que les choses de chez nous là, nous profitent à nous. Yayati, Yayase, ce qui est normal. Faut que l'Ivoirien se sente bien dans son pays. Faire ça là, est-ce que c'est demander la barbe de Dieu? C'est demander la barbe de Dieu? Mais comme parmi nous, beaucoup aiment l'argent, beaucoup sont corrompus comme les Charles Blé Boudé, comme les Bourassako, qui parlent pion pion à cause de l'argent, les patous, André Papato, Togonyiri, André Kumaji. Ils sautent, sautent, on saute, saute. Vous avez sauté, sauté par rapport à quoi? Vous avez pris le nom du président Gbagbo pour vous faire ici en Europe. Les gens vous ont ouvert les portes. Les femmes vous ont ouvert des choses ici à cause du nom du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous voulez prendre le nom de monsieur là contre lui, mais ça ne peut pas marcher. Voilà, ça ne peut pas marcher. Et c'est de ça qu'on parle. Non, on est tranquille à ce combat-là. Et vous, vous n'êtes pas trompés. Nous ne nous sommes pas trompés parce que le président Gbagbo n'a jamais trompé les Ivoiriens. Il est resté lui-même lucide par rapport à ses idées, les idées de ses amis. Il n'a pas trahi ses idées, les idées de ses amis. Il n'a pas trahi la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que les gens lui sont restés fidèles. Et ce combat-là, ils le savent. Quand on fait des vidéos, ces bâtards-là, ils sont cachés, en cachés. Je les vois ici, hein, je ne dis pas leur nom. Je les vois, ils sont sur les vidéos, là en direct. Je ne parle même pas le nom de quelqu'un. Et voilà, vous ne les voyez pas, moi, je les vois. Mais allez-y là-bas, allez-y faire vos politiques là-bas, allez chez vos nouveaux leaders là. Ils ne sont pas là, vous ne les voyez pas. Mais ils n'ont rien dans les sacs. Les gens ne sont pas courageux. Ils ne peuvent même pas dénoncer. Oh, le président Gbagbo dit, il faut parler, il faut dénoncer. Pour que change les choses, il faut parler. La démocratie, c'est la liberté. Mais les gens ont peur. Parce qu'ils ne veulent pas aller en prison. Oh, nous, le FPI, anciennement FPI, aujourd'hui PPACI. Mais nos gars, là, ils connaissent la prison, ils connaissent l'exil, les comptes bloqués, les intimidations, les menaces, la mort, ils connaissent. Donc, c'est quoi tu allais montrer? C'est quoi tu as montré à Gbagbo Laurent? Et puis, il va te regarder, il rit. Gbagbo rit. C'est quoi tu as montré au président Gbagbo? C'est quoi il n'a pas vu? Il dit, je veux compétir. Et voilà. Et il prend, il dit, mais qui parle dans mon dos? On dit, c'est le Mossi Draman. Ya. Draman, le Mossi. On dit, c'est Gbagbo, c'est le Mossi là qui parle dans ton dos. Mais Mossi là parle dans mon dos par rapport à quoi? J'ai dit, n'a qu'à même mon nom, les Ivoiriens vont voir les choses à la démocratie. Mais vous là, vos papas au feu boyé. Mais le Mossi aussi se réclame du feu boyé. Que lui, le fouettiste. Toi, tu es fouettiste où? Le Mossi aussi dit qu'il est enfant du feu boyé. Bon,
vous là, j'ai parlé avec votre papa. Votre papa me respectait. Votre papa sait qui je suis, moi, Babo Laurent. Moi, Babo Laurent, vous faites, il sait qui je suis. Le père est au courant de moi. J'ai parlé à votre papa, j'ai combattu votre papa. À cause de ça, beaucoup des gens du père est notamment les Baoulés, ont gardé dents contre le président Babo. Pourquoi il allait affronter Oufoué Boy? Il s'est revenu, je ne sais pas quoi. C'est toi, Mossi, qu'ils ont pris comme ça, quoi, pour déposer là. C'est toi, on va avoir peur. C'est pour ça que les Ivoiriens, certains Ivoiriens, ne peuvent pas te critiquer. Mais tu es Burkinabé. Drawatra, tu es Burkinabé. Et ça, là, on va dire ça jusqu'à Anangama. On va dire ça jusqu'à toujours. Tu es Burkinabé. Et ça ne va pas changer. Si tu veux, il faut venir nous prendre, nous tous. Tu vas nous mettre en prison, mais tu es un Burkinabé. Et voilà. Et puis, ça ne va pas changer. Et c'est ça qui est ça. Et 2025, là, tu vas dégager. Parce que ton Macron, là, lui-même, il est en difficulté grave. Ici, en France. Macron en difficulté grave. Et voilà. Lui-même, là, il ne sait pas son sort qu'il attend, Macron. Voilà. Donc, vous, là, il dit, on est vous. On est vous. On est vous. Et ces vidéos que nous faisons, là, c'est un travail psychologique, un grave travail, un grand travail. Voilà. Parce que ça vous met bien. Mais ce que vous pensez là, il faut qu'on dise, on crache ça, on dise ça, oh, wow. Et on le fait, non seulement pour notre pays, pour le président Gbagbo, pour le PPACI, pour nos enfants, mais pour la vérité même. Mais pour la vérité. Le Mossi ne peut pas acheter tout le monde. Le Mossi ne peut pas acheter tout un pays. Pourquoi ça? Pourquoi le Mossi va acheter tout le monde? Est-ce que tout le monde est à vendre? Est-ce que tout le monde est à vendre? C'est ça le vrai point. Est-ce que tout le monde est à vendre? Ceux qui sont à vendre là, on va vous acheter. Et Drama Ouattara là, c'est quoi? Il va vous empoisonner puis il va vous tuer tranquillement. Drama Ouattara, il va vous tuer, il va vous vendre. Parce que c'est un homme qui est sans scrupules. C'est un rancunier, c'est un mauvais type, c'est un méchant type. La Côte d'Ivoire lui a tout donné. Depuis là, les enfants de la Côte d'Ivoire, beaucoup parmi eux sont de corrompus, il les a tous tués. Drama Ouattara n'a pas de limite. C'est ça. Mais Laurent Gbagbo est son terminus. Laurent Gbagbo est son terminus. Il est au courant, il sait ça. Voilà, c'est ça, Laurent Gbagbo. Non, les amis, c'était moi. Voilà. Nous, on parle à tout moment. Voilà. Je suis Anjaï. Je salue tout le monde. Je salue la secrétaire. Je salue mon ami Alson Cross. Je salue Chris Dassault. Je salue la belle Céline Boli. Voilà, Abel Naki, on est ensemble. Et Raymond Naki, je dis Abel. Chaque fois, il veut dire Raymond Naki, puis il dit Abel Naki. Oh, Abel, il a un... Raymond, voilà, ça c'est mon gars, on s'est vu samedi là. Abel a une tête compliquée. Hein, sa tête est bizarre, ce type-là. Bon, encore, voilà un sorcier encore qui vient de Guibérois. Tous des marmailleurs. C'est un faux type-là. Sa tête qui est compliquée là. Voilà, donc soyez salués les amis. Je salue ma camarade. Mon frère, Bouba Djedoni, on est ensemble. Voilà. Vianne Kipré, Ayonian, on est ensemble. Voilà, Clarisse Nobo, Clara, on peut faire ça. Marie Tagro, Marie-José la Diva, soyez saluée. Par contre, Tivoli, par contre, on est ensemble. Et puis, il y a quoi encore à toi? Voilà, mes condoléances à toi et puis à ta tante. Voilà, on est ensemble. Soyez fort. Voilà, soyez fort. Igor Zadi et puis Jeanne Ogel, soyez salués. Georges Dabier et puis Yolande Olima. Timothée Monga, on est ensemble. Voilà. Olima, ça fait 2 jours. On peut faire ça. Hein? Douga, sois salué. On peut faire ça. Fédération de la Ligue des Jeunes, PPACI, Yopougon. On est ensemble. Ne craignez rien. Voilà. Ne craignez rien. Chacun dans son coin doit faire ce qu'il a à faire. Drama n'aura le mettre à la porte. Il est au courant de ça. C'est le PPACI, c'est pas quelqu'un. Et le PPACI, avec son président Laurent Gbagbo, c'est lui, le Oudi de Maman. Il avait gagné les élections en 2010-2011. C'est pour ça qu'il a gagné son procès. C'est logique. Il est rentré dans son pays. Il a créé son PPACI. Il va redevenir président. De toute façon, on l'a déjà vu ça ailleurs. Avec Lula. Président, on l'envoie en prison, il est redevenu président. Laurent Gbagbo, président, prisonnier, il va redevenir président. C'est ça qui est ça. Voilà. Et on est tranquille avec ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, restez confiant. Voilà. Restez confiant. OK? Donc, c'était moi. Partagez la vidéo là. Soyez tous salués. Voilà. On est ensemble, la lutte continue. Vive le président Gbagbo. Vive le PPACI. Pour que vive la Côte d'Ivoire. Voilà. Que le président Gbagbo, Dieu protège ce grand monsieur, ce monument.
Le plan Gbagbo est un, c'est une institution. Voilà. Le plan Gbagbo est un esprit. Le plan Gbagbo, c'est le président Gbagbo. Voilà. Le plan Gbagbo, c'est le président Gbagbo. C'est ça qui est ça. Pour une taille, ma chérie, on est ensemble. Vincent de Paul Brou. Soyez salués. Je salue le docteur Marcel Krabwe. Et puis, mon boss. Il s'appelle Pascal Oubou. Non, Pascal, lui-même, il en jette du taf. Il en jette du taf. Ouais, il dit, ouais, Mathieu, tu fais un bon bara. Il dit, ton chef te dit que tu fais un bon bara. Voilà mes gars qui sont là. Les Nyako Clavin, ils sont là. Tu dis à Clavin, est-ce que le travail est bon? Mais le travail est bon. On poursuit. On est derrière. Le PPACI en mouvement. Le PPACI en mouvement. Voilà des gens, Clavin, Nyako, toute sa vie. Si vous voyez l'investissement qu'il met dans ce combat-là, vous êtes un fou. Son temps, son argent, son énergie, sa pensée, tout, Clavin, toute sa vie. C'est Laurent Gbagbo. Et ces gens-là, il y a un moment où Dieu va regarder pour que nos gars-là, on puisse pleurer nos morts. Ah, les gens sont morts. Oui, nos parents sont morts. On n'a pas pleuré les Bogadoudou. On n'a pas pleuré tous ces gens-là. Les Mangaé. Tous ces gens brillants-là. On ne les a pas pleurés. Parce qu'on ne nous a pas donné le temps. Donc, la tête de ce diable à Drama Ouattara, le serpent, on doit couper sa tête pour qu'on puisse respirer. Donc, on doit chasser Drama Ouattara. Mais définitivement, on doit chasser Drama Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. On doit chasser Drama Ouattara pour que la Côte d'Ivoire, on passe à autre chose. Drama a trop tué. Et Drama continue de tuer les gens. Je salue mon frère Steve Biko la Bikaï. Et voilà. Et je lui dis de tenir. C'est ça aussi le combat. De tenir, les Ivoiriens prient pour lui. Steve Biko la Bikaï. Et voilà. Et c'est ça le vrai point. Dans les amis, on est ensemble. On est ensemble. C'était moi. Et voilà. La lutte continue. Derrière le champi, le président Gbagbo. Voilà. C'est lui notre guide, notre référent. Le président Gbagbo est une chance. Et le président Gbagbo est l'espoir des Ivoiriens et des Africains. C'est tout. Oh là là! Voilà. Le président Gbagbo est l'espoir. Le président Gbagbo est une chance pour la Côte d'Ivoire. Et nous devons saisir cette chance. Il a dit, je suis un soldat mobilisé. Avec tout le parcours, son expérience, il aurait pu s'asseoir. Il est allé jusqu'au sommet. Il a dirigé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que nous aimons là. Cette Côte d'Ivoire, celle qu'on aimait. La Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo. Où on pouvait s'exprimer. Ou l'Ivoirien même s'il ne mange pas, il mangeait, il est à l'aise parce qu'il est dans son pays. La Côte d'Ivoire dont nous rêvions, la Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo. C'est de cette Côte d'Ivoire-là qu'on rêve. Voilà, ce n'est pas autre chose. Et il y a des frères, il y a des amis, il y a des camarades de lutte. Quand tu les vois comme ça, tu dis, ouais, ici en jaillit. Des Clavets, Nyako. Voilà ma chérie, Gisèle Kéi. Tu vois des gens, puis tu en jaillit. Tu dis, ouais, ce combat-là, je ne les fais pas cadeau. Je le fais pour moi-même, pour mon pays, pour mon président Laurent Gbagbo. Mais ce monsieur-là, non. On lui doit du respect, le président Gbagbo. Parce qu'il a un parcours en paix. Il aime la Côte d'Ivoire. Il a la Côte d'Ivoire dans son âme. Et il s'est sacrifié, et il s'est sacrifié, et il continue de se sacrifier pour ce pays-là, Laurent Gbagbo. Donc on n'a pas le droit d'abandonner le président Laurent Gbagbo. Donc quand il voit ces va-nu-pieds, ces gens à qui on dit, ouais, c'est nos frères. Des gens comme les Charles Blé Goudé. On dit c'est eux qui. Un va-nu-pied. Un homme qui a mangé dans la main du président Gbagbo. Un homme que le président Gbagbo a mis en haut. C'est va-nu-pied là. Tu les vois. Comme ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent. C'est Stéphane Kipré. Eux veulent l'attaquer. Mais Stéphane Kipré ne va pas vous répondre. Stéphane Kipré ne va pas vous répondre. Parce qu'à la tête de la Côte d'Ivoire là. Se trouve un criminel. Un voleur. Drama Ouattara était un criminel. Puis était un voleur. Donc si vous voulez avoir affaire à un voleur. Mais adressez-vous à Draman. Son gouvernement s'est rempli de voleurs. Et tous, c'est tous des voleurs. Des gens volent 100 milliards. Ça ne va pas quelque part. Draman lui-même là, il profite. Il a 1 milliard par jour. Budget de souveraineté. Sans compter les bras. Les gros, les bras. L'argent qui vole, les commissions et autres là. Vous ne parlez pas de ça. Donc, on a la tête de la Côte d'Ivoire. Un voyou, un criminel, un voleur, un assassin. Vous ne le voyez pas? Vous là, vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Mais quand vous n'avez pas le culot, vous ne pouvez pas critiquer là. Fermez là. Voilà. Le président Gbagbo est le candidat des Ivoiriens. Et je te précise, Timothée, des vrais Ivoiriens, des Ivoiriens décents,
des Ivoiriens de souche, des Ivoiriens épris de paix et de justice. C'est ça le candidat Laurent Gbagbo. Et il est là pour la justice. Parce qu'il y a eu trop d'atrocités en Côte d'Ivoire. Trop de tueries. Les gens ont génocidé des gens dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les gens ont tué des Ivoiriens à Yopougo, à Dabou, à Gagnoa, à Divo, à Niablé, un peu partout, dans toute la Côte d'Ivoire, dans le nord, partout. Qui pour faire justice à ces gens-là? C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on se bat. Parce que ça ne va pas passer comme perte et profit, comme si de rien n'est. Non, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Même s'ils sont armés jusqu'aux dents. Même s'ils pensent qu'ils vont rester pendant 50 ans. Même s'ils pensent qu'ils vont rester pendant 200 ans. Pendant ces 200 ans, ils nous auront sur leur dos. Tant que nous, là, nous ne faisons pas taire. Tant que nous ne nous aurons pas tués, là, on est avec eux jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, on va dénoncer Drama Ouattara. On va dénoncer son régime. On va dénoncer ses mandats. On va dénoncer Macron. Et on est dans le nez de Macron. On va le dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà. Donc si on n'a pas eu peur de la communauté dite internationale, de la soie maudite communauté qui est en train de buter en Ukraine là, c'est pas de vous, nos frères. Vous que le président Gbagbo a fait à travers son nom, à travers ces actions là, c'est vous là, on va vous laisser. Des nirpétis, des déchets comme ça là, on est vous. Voilà. Vous êtes tous en cachet, regardez, non, on est vous. Venance qui prie, soit salué. Je salue Amalan depuis London. Et puis, Bastille original, soit salué. Voilà. Donc, tous les cachets, regardez. Il y a ma chérie qui est là. Elle s'appelle Gisèle Kéhi. Dis-le, on est ensemble. Gisèle, je suis en Jaé. Voilà. Je suis en Jaé. Là, on a besoin des militants. Très mobilisés, très déterminés. Voilà. Ce n'est pas les flégués. Ce n'est pas les militants d'argent, là. Des militants, là, d'argent. Des gens qui ne sont pas convaincus, là. Ce n'est pas de ça. On ne veut pas ça, là. Voilà. Mais des vrais militants. Des militants vrais. Voilà. Parce que la cause, elle est vraie, elle est juste. Une vraie cause. Une cause de dignité. La dignité, c'est mon pas. On ne vend pas sa dignité. Et voilà. Une cause de souveraineté. Des vraies causes. Des causes qui valent toute une vie. Un combat. Un combat noble. Voilà. Et nous, on est tranquille avec ça. On est tranquille avec ça. Parce que c'est ce qu'on va laisser sur la terre. De dire qu'on a marché pour notre pays. On s'est battu pour notre pays. Voilà. Et ceux-là, quand ils nous voient comme ça, ils ne peuvent pas s'approcher pour dire, ah, Mathieu, tu vas prendre quelque chose. Comme je vois un là, Macron prend des gens là. Comment il s'appelle là, ce gars qui est avec Drama Ouattara, c'est dans Audrey Chaud là. Qui est sur la télé de NCI là. Il s'est dit quoi, as-tu baga? Il a dit, ah, bon, ces gars comme ça. Des nulas comme ça. Que oui, Macron croise la nouvelle génération, mais la jeunesse africaine éclairée. Ça, c'est la jeunesse africaine corrompue. Des jeunes corrompus. Les Macron, c'est des jeunes, mais qui sont dans l'ancien, dans la pensée. Macron, c'est un homme dépassé. Macron, il est dans... Oh là là! On veut les nouvelles idées pour innover. Macron ne peut rien créer en France ici. C'est du surplace, il fait. Le gars, il ne savait pas s'il va arriver jusqu'en 2027. On ne sait pas. On est dans le brouillard en France. On ne sait pas où on va. On ne sait pas. C'est un petit, c'est comme un directeur, c'est un petit manager. Voilà. Il ne sait pas où il met son pays. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, on a besoin des penseurs. On a besoin des grands leaders. Des gens qui ont une vision pour le pays, comme le président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'on parle. Ouattara, un homme 40 vide, fait un discours rétérien. Pays ivoirien. Il n'est même pas dans le cœur des Ivoiriens. Demain, là, son régime, on l'a oublié. Parce qu'il n'est rien, en fait. Mais le président Gbagbo, tout ce qu'il dit, là, ça reste. Pardonnez. C'est la marque des grands. Un homme, il marche, il laisse des traces. C'est tout le temps des grandes citations qui restent. Comme Martin Luther King, I am a dream. J'ai fait rêve. Oh, le frère, c'était quoi ton rêve? J'ai rêvé que les Américains, noirs, blancs, chinois, tout ça, là, les gens soient ensemble. J'ai fait rêve. Des grottes, ça reste dans le temps. Le père, ouais, l'homme, il marche, il laisse des traces. Asseyons-nous et discutons. Quand on vous envoie, sachez vous envoyer. C'est ça, un homme de son époque qui marque et qui reste dans l'histoire. C'est le président Gbagbo. Ouattara connaît quoi? Il n'a que sa gueule pour parler. Oui, j'ai fait les économies, j'ai fait le FMI, l'économie du Japon, j'ai fait ceci, cela. Où sont les écrits? Où sont les écrits? Où sont les écrits? L'eau vérifie le travail. Le travail des criminels, là, l'eau vérifie ça. Le sang des Ivoiriens sur lequel ils sont là, l'eau vérifie ça.
Il y a l'air rien qui intéresse un vrai Ivoirien. Un vrai Ivoirien n'est pas intéressé par Draba Ouattara. Il fait ça, il force comment commence, c'est zéro. Voilà, c'est zéro. Macron a pris Coupe du Monde ici. Macron, il a fait. Quand il était président, la France a pris la Coupe du Monde. Macron, les gens le haïssent en France. Donc, faire Côte d'Ivoire prendre Coupe d'Afrique, là, ce n'est rien. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est pour un moment. C'est pas ça, c'est pas le quotidien des gens. Est-ce que les Ivoiriens ont travaillé? Les Ivoiriens ne travaillent pas. Parce qu'il n'y en a pas. Ouattara a menti. Je vais créer des millions d'emplois. Les milliards vont pleuvoir. C'est même ce supporter-là. Les Djoulas, là. Ils prennent la Méditerranée. Ils passent par le désert. Ils viennent en France ici pour voler dans les métros. C'est des voleurs. Mais si ça va en Côte d'Ivoire, pourquoi vous fuyez le pays, là? Si Ouattara travaille, mais restez là-bas pour profiter de la croissance, là. Ils sont tous en Europe pour certains et ils gueulent. Ouattara travaille, mais prenez vos femmes et puis vos familles et puis allez-y vous installer en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce qu'il n'y a rien pour eux. Ceux mecs qui sont sur place, il n'y a rien pour eux. Donc Ouattara, c'est du blablabla, blablabla, des chiffres et des chiffres. Des chiffres à la con. L'eau encore tue. Après que Ouattara soit au pouvoir pendant près de 15 ans, il a gueulé. Gbagbo Laura n'a rien fait. Gbagbo Laura. Mais quand Gbagbo Laura était au pouvoir, Ouattara, tes ministres là, étaient dans le gouvernement de Gbagbo Laura. Les Patrick Hachi, les Ahmed Bakayoko, eux tous. Donc ils sont comptables du bilan de Gbagbo. Si Gbagbo échoué, toi aussi tu as échoué. Mais toi, dans ton gouvernement là, il n'y a pas les gens de Gbagbo dedans. Il n'y a que toi seul. Dans ton gouvernement là, il n'y a pas un rébellion en face de toi. Et tu vaux rien. Et les Ivoiriens meurent encore, l'eau les tue encore. Oh honte. Criminel, moi aussi, oh honte. C'est de ça qu'on te parle. Voilà, et ça là, on va te le dire. Sans faux fuyant, on va te dénoncer. On va te dénoncer, Ouattara. On va parler, on va continuer de parler ces des années, on va parler jusqu'à ce que tu tombes. Et on parle. Quand tu es là, donc quand tu seras pas là, comment ça s'est passé? Mais on va t'anéantir. Tout ce que tu fais là, c'est zéro. On va effacer tout ça là, à cause de ta haine et ta méchanceté. Parce que tu n'es pas Ivoirien. Tu n'es pas Ivoirien. C'est ton village, c'est où, Ouattara? Tu pas qu'un patois. Assini là, c'est chez toi. Tu n'es plus de Dimokro. Tu n'es plus de Djéné. Tu n'es plus de Kong. Adama, tu es de Saint-Dou. C'est pour ça que tu te caches pour faire des dons la nuit à Saint-Dou. Parce que le cœur te parle. Tu sais d'où tu viens. Voilà, mais tu fais exprès. Et tu dis que tu as des origines au Sénégal encore, Adama. On peut être apatride comme ça. On peut être apatride comme ça. Donc vous avez peur du président Laurent Gbagbo. Parce que le président Gbagbo même à la base... Ce qui fait que les Ivoiriens l'aiment là, c'est d'abord un Ivoirien authentique, yéré, fils du pays. Vous êtes des immigrés, fils d'immigrés. C'est ça le vrai point. Les Ivoiriens aiment le président Gbagbo, mais le président Gbagbo est foncièrement Ivoirien. Le son, il est bon. Où sont vos villages? Draba Ouattara, Assini, c'est chez toi? Assini là, c'est chez toi? Tu as gueulé, Draba Ouattara, que oui, quand tu vas arriver là, la capitale, on va la transformer à Yamoussoukro. Ça fait 13 ans, 15 ans que tu es là. Tu n'as pas fait. C'est du bla 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 bla. Zéro. Vous avez pris des armes. La rébellion. Le Nord est marginalisé. Le Nord, là, il n'y a rien. Mais ça fait 15 ans, vous êtes au pouvoir. On fait comment? Le Nord, là, c'est à quel niveau? Vous avez pris vos balouchons, vous êtes parti chez vous dans le Nord, là. Mais si vous ne développez pas le Nord, vous avez honte du Nord, là. C'est qui va faire le Nord? C'est pour le Nord que vous avez pris les fusils là, non? Mais pourquoi vous êtes encore assis au Sud? Pourquoi vous êtes à l'Ouest? Pourquoi vous êtes dans le Centre? Pourquoi vous êtes à l'Est? Mais vous n'avez pas honte, hein? Hein, Draman, le Burkinabé, qui a pris les armes là, c'était pour aller prendre village à Assini là-bas? On peut faire ça? On peut faire ça? Mais si vous ne développez pas le Nord là, qui va développer le Nord? Qui va développer le Nord? Vous voyez? Comment vous êtes ambigu là? Comment vous-même là, vous n'êtes pas cohérent? Comment vous n'êtes pas cohérent? Et aujourd'hui, comme l'autre, il a voulu prendre ça sur lui. Hier, quand on lui posait la question, on dit, oh, mon frère, vous parlez, hein? Demain, là, ça a été rattrapé. Sur le Guillaume. Qui est le père de la rébellion? Foka lui a posé la question, hey, qui est derrière? On sait qui est derrière. C'est Draman. Il dit, non, c'est pas Draman. On dit, ah, d'accord. C'est pas Draman. Faut pas venir nous dire après que c'est Draman. Après, tu dis, non. C'est Draman qui m'a envoyé. J'ai fait une seule rébellion. Le bénéficiaire, c'est Draman. Autrement dit, c'est Draman qui m'a fait. Mon t'as posé la question, tu dis que c'est pas Draman. Mais Draman et toi, tout ça, c'est la même chose là. Ok? Donc, les amis, c'était moi. Voilà. On est toujours derrière Gbagbo. C'est le choix des Ivoiriens et des vrais Ivoiriens. C'est le choix de la vérité. Et c'est parce qu'ils ont peur du président Laurent Gbagbo qu'ils ne veulent pas mettre son nom. Ils vont mettre son nom.
Vous n'avez pas dit qu'il ne vaut rien. Vous n'avez pas dit qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait, non. Mais mettez son nom, vous allez le gagner. Mettez son nom, vous allez l'humilier. Mais vous connaissez. Connaissez, connaît. C'est Bella qui fait exprès. Sinon, connaissez, connaît. Voilà. Donc, Laurent Gbagbo est aimé. Il est soutenu. Le plan Gbagbo est implanté en Côte d'Ivoire. Le plan Gbagbo est un esprit. Le plan Gbagbo est immense. Il faut Laurent Gbagbo en moins de 3 mois pour créer un parti politique qui est sur place. Le PPACI est en mouvement. Et nous sommes fiers. C'est ça le vrai point. Le PPACI est en mouvement. Et nous sommes fiers. Et nous sommes fiers d'appartenir au PPACI. Et d'appartenir et d'accompagner les idéaux du président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Et le plan Gbagbo est une fierté pour nous. Le plan Gbagbo est une chance. Et le plan Gbagbo est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire et pour les Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Et le plan Gbagbo est l'espoir de tout un continent. Son arrivée en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Entrée triomphale. Il n'y a pas l'homme pour Gbagbo Laurent. Partout, il va être déjà la foule. Voilà. Non, les amis, c'était moi. Prenez soin de vous. Que Dieu bénisse le président Gbagbo. Tous les cachets réalisés. Lidikol, on est ensemble. Voilà. Lidikol. Quand les gaoussous, on dit quoi? Et puis, voilà, les amis, soyez prenez soin de vous. C'était Mathieu. On est ensemble. Ciao.